opposant la France parce qu'il me semble nécessaire d'apporter une autre image aux Français de leur propre pays, c'est-à-dire une image de l'innovation, des Français qui y croient, qui restent dans ce pays, qui ne se barrent pas et qui sont heureux d'y être en plus. Osons la France, c'est aussi la nouvelle révolution française. Et pour Malakoff Médéric, c'est le moyen de montrer que nous voulons participer à ce renouveau français, à ce sursaut. On en a assez de cette situation un peu dépressive que connaît notre pays. Il y a plein de choses à faire, nous avons des idées, donc on a voulu participer. La démarche de Malakoff Médéric est formidable et en s'inscrivant sur un sujet qui est celui de la santé, qui est un des grands sujets français, et en disant aux Français « mais devenez donc acteurs de votre santé », c'est rendre service au pays. On a besoin de sociétés comme ça et Malakoff Médéric est un des grands acteurs de l'économie française et donc c'est un honneur de les avoir avec nous. Pendant Osons la France, nous mettons en avant ce que nous savons faire, les idées que nous avons, notamment dans le domaine de la santé. Nous voulons pouvoir jouer un rôle important dans l'amélioration de la qualité, dans le contrôle des coûts, dans l'orientation dans l'offre de soins des Français. Hier, nous avons conclu nos premiers entretiens Malakoff Médéric, Osons la santé de demain, en faisant des propositions. Parmi ces propositions les plus importantes, c'est nous voulons faire de l'orientation dans l'offre de soins, nous voulons pouvoir créer des réseaux de soins avec toutes les spécialités médicales et nous voulons pouvoir avoir accès à l'information, bien sûr, avec les personnes qui veulent bien nous la donner et ou de l'information anonymisée de manière à mieux faire notre travail pour encore une fois mieux orienter nos clients dans l'offre de soins. Lors du sommet de l'économie, on m'a interrogé sur le niveau des charges sociales. Évidemment, j'ai mis en avant ce en quoi je crois, c'est-à-dire que nous devons tout faire absolument pour sauvegarder notre système de protection sociale. Nous n'allons pas mobiliser les Français en leur disant « vous allez rigoler, il faut en faire plus et vous en aurez beaucoup moins de protection ». Ça ne marche pas. Maintenant, le système est en risque puisque de nombreux déficits sont devant nous. Il y a des solutions et on va les trouver tous ensemble dans le dialogue, notamment dans le dialogue paritaire. On peut tout oser aujourd'hui en France. Il faut qu'on ose parce que c'est notre responsabilité, nous, société civile, donc on peut tout oser.